Hey, c'est que c'est 19h encore, et vous êtes là les amis, ça fait plaisir. Eh ben oui, ça faisait longtemps, on s'était pas vu. Bah. Eh ben oui, il faut dire qu'il s'en passe des choses ici. Ils ont changé la tenancière du bar, là, Volnavello, c'est plus la même. Et non, et nous on y va de plus en plus maintenant, elle nous paye des canons, parce que l'autre vieille, elle payait rien du tout, quoi. On avait droit que dalle, tu restes, t'en bois 10 et la 11e, et bah, tu la payes aussi, quoi. C'est n'importe quoi. Alors, vous vous rappelez pas de nous, peut-être? Parce que nous, c'est vieux, on a fait le concept des startups en 1980 à Volnavel-Bas. Et à Volnavel-Bas, dans notre grange, bah, le garage, c'est pour les riches, quoi. Dans notre grange, nous, on avait donc le tracteur, on avait le truc, la charrue, tout ça. Et on avait notre studio de développement. Eh oui, du développement! Bah enfin, dit, oh, alors, hein? Et donc, bah, et ce qu'on a fait après le succès de Rougien, alors si tu l'as pas vu ce jeu, je te conseille les streams de The Big Lebowski, c'est archivé dedans, quoi, c'est pour l'éternité gravé sur Internet, il paraît. Tu cherches Rougien, comme ça se prononce. Rougien. Oui, c'est des R, il n'y en a qu'un. Et tu cherches, tu vas tomber sur notre premier jeu, qui est extraordinaire. Avec Michel, on avait fait ça. T'en rappelles, Michel? Il dit oui. Et donc, bah, on avait fait Rougien et les gens, ils ont tellement aimé. On a fait, allez, il s'est passé plein d'années, hein, ça fait 2 ans qu'on a sorti Rougien, on va en ressortir un, je suis sûr, ils vont kiffer leur race du pogo de sa mère. Et du coup, on a fait Mission 660. Au début, je voulais pas mettre 660, je voulais mettre un autre truc, mais Michel, il m'a dit, c'est pas bien ce que tu vas faire, on va se mettre le curé sur le dos, ça va foutre le bordel et tout. Donc, fais-y péter. Mais. Pour que ce soit plus drôle, faut que ce soit quelqu'un qui connaisse pas qui présente. Alors je vais dire à Monsieur K de le faire. Monsieur K, tu viens? Allez. Pourquoi t'es caché? Mais si, attends, je vais te chercher. Mais ça fait. Ouais. Je suis super pas convaincu, moi, par ce jeu, Mission 660, quoi. Parce qu'un jeu qui a été programmé à Volnavel-Bas de surcroît, vous n'allez pas me convaincre que c'est un top jeu. Vous avez bien vu Rougien comment c'était. J'ai souffert. J'ai beaucoup souffert. Vous voulez me voir souffrir encore une fois, c'est ça? Bon, ok, peur de rien, on y va. Mission 660 de 1986, me voilà. Ah. Oui, je me fais la réverbe à la bouche. Ah, y a de la couleur. Bah, non, Dédé, vous étiez combien pour regarder ça? Michel, tout seul encore? Uf, ah, ouais, ça se voit. Et c'est lui qui a fait les graphismes. Ouais, ça se voit aussi. Il n'y a pas le son, c'est normal. C'est la démo. D'accord. Je suis obligé de jouer. Ok. Oui. Ok. T'énerve pas, te fa... Non, j'ai pas soif. Bah là, donc. Alors on a un super boss de fin de niveau, dis donc, vous avez programmé ça avec un clavier. Il est super varié comme pattern apparemment. Non? Oh, vous êtes susceptible. Non, je veux pas ton truc, ça rend aveugle. Allez, on y va. Ah, faut prendre des étoiles, les étoiles, les étoiles, les capsules, les capsules, les capsules. Ok. Une fois que t'as noté ça, t'as tout bon, quoi. Il y a une méga bombe ou n'importe quoi. Moi, c'est le premier truc que je vais montrer dans un shmup. Bon, ça me stresse comme ça, parce que celui-là, je sens qu'il va me stresser. Non, Dédé, ne me donne pas des conseils. Ça me déconcentre. Ne parle pas. C'est moi où il y a une espèce de ressucé de Star Wars derrière. Alors j'ai trop baissé le son, j'ai pas du tout l'audio moi. Ah si j'ai. Alors il y a du beau bullet cancel, hein. C'est un cave avant l'heure celui-là. Mais nique ta. Nique ta lope. Oui, activité nocturne, tout ça. Alors faut que j'aille au moins jusqu'au boss, parce que sinon Dédé qui est derrière va gueuler que j'ai même pas fait voir le boss et il va me faire rejouer tant que j'aurai pas fait voir le boss. Et je voudrais pas que ça arrive. L'étoile elle s'est barrée! Le bonus, il te fait apparaître. Michel, viens voir. C'est quoi ça? Ah mais non, mais c'est comme les chiens, j'ai pas tonné dedans. Et... On te fait des bonus parfaitement irrattrapables dans ce jeu. Dédé, tu as une explication? Oh, je joue facile, toi, des chamallows comme ça. Et toi, tu te mets, voilà, comme ça.
Et tu tournes, et tu tournes, c'est comme Saturne. C'est un autre jour, on avait fait aussi, je le rappelle pas. Saturne. Ouais, enfin, il est con ton boss là. Bah non, il t'a pété la gueule, regarde. Oui, bon, certes, mais. Est-ce que j'ai fait mes 5 minutes légales? Bah, tu veux pas refaire une petite partie? Pour me faire plaisir? Ah bah non, non, non. Bah, j'ai pas super le temps là, j'ai mon bus de handicapé qui part. Et oui, bah, c'est moins cher, c'est pour ça que je monte en douce là-dedans. Non, regarde pas comme ça, Dédé. Non. Bon, ok. Une partie, mais une seule. Fais pas plaisir quand même, toi tu fais l'effort. Oui, bah ça c'est vraiment un effort, hein. Tu peux le considérer comme ça. Et t'as essayé de faire quoi dans ce jeu? Oh, c'est bon, oh, c'est Michel. Michel, lui, programme, il parle là jamais, hein. Il bougonne dans son coin. Oui. Tu vois? Et il nous entend, il nous entend, il fait avec tout ce qu'on dit. Il aime bien le feedback de l'utilisateur, tu vois. Enfin, mon feedback, t'as vu que pour l'instant, ton jeu, c'est un peu de la merde. Bah, on a voulu faire quelque chose qui change, ou ça fait comme, mais c'est pas pareil. Oui, mais pourquoi t'as les bonus quand ils apparaissent, ils sont en haut d'écran, ils se barrent. De manière à ce que tu les aies jamais du tout. Jamais, jamais, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, de la mort. Voilà, tu l'as comment ce bonus là? Bah, faut demander à Michel. À Michel? Faut pas que c'est chiant comme la mort là. Non, c'est bien, c'est cool. Ouais, enfin, tourner, c'est... Si je voulais un jeu de bagnole, je... Voilà. Bah, tu vois, t'as gagné. Et tu viens de plaindre encore. Michel, tu critiques. Non, pose la faux. Pose la faux, Michel. C'est rien, c'est critique, c'est tout. Je ne sais même pas critiquer. Ah, putain de bonus de... Je vais te demander en fait de Michel, Rod. Non, parce que je... Pourquoi on peut jamais choper les bonus dans le jeu, les gars? Je présume que j'ai une super bombe quelque part. Je crois qu'il n'a pas eu le temps de programmer la super bombe, Michel. Il avait pensé, il avait fait... Moi, ouais, j'ai fait un truc comme ça, cet appui-là, bah, ça fait... Ça fait comme ça, avait pas pris le missile, quoi. Parce qu'il y a des missiles après? Ah bah oui, normalement, c'est simple. Putain. Mais je redémarre où en plus? Je crois que tu peux pas tout très très loin, c'est debout. Sérieux? Sérieux? Et je comprends mieux maintenant pourquoi le jeu n'a pas trop marché. Donc t'es au boss final et tu redémarres à perfect les 20. Bon, allez-y, bon, ça fait de l'amusement en plus. Là, qu'est-ce que tu plains? Il y a de la joie de l'enfant. Et tu vois, t'es déjà revenu. Ouais, mais enfin, t'as pas une astuce pour le passer celui-là? Ouais, tu restes dessous. Sérieux? Ah ouais. Ah ouais. Donc toi, finalement, quand on a les devs sous la main, ça se passe vachement mieux. Hein. Un truc qui pouvait sembler compliqué, bien tout ça, c'est simple. Ou presque. Alors, on verra pas si après le boss. Oh bah c'est dommage parce qu'après Michel il avait travaillé et ça avait changé tous les graphismes. C'était un jour où il avait essayé un nouvel alcool. C'était Mireille, il avait essayé ça, c'est avec des châtaignes. Je pense que t'as goûté, tu veux goûter? Alors, il y en reste peut-être un peu. Non bon ça va aller. Bon bah. Mais sûr que vous avez brûlé tous les exemplaires de Rougien? Ah bah ça Michel je sais pas, il m'a dit un jour j'ai vu avec la pelle partie dans le cimetière avec la brouette, il avait tous les exemplaires dedans, je sais pas ce qu'il a fait mais il est venu, il avait pleuré, il avait une touche. Et c'était pas les Gauloises. Ouais, c'est quand même pas vous facile pareil pour celui-là. Non parce que le truc là il est relou quoi. C'est quoi tu dis? Relou. Lourd. Ah. Ouais, je sais pas. On va peut-être faire un update. Faut voir si on peut mettre sur le store ça. Michel, t'as regardé avec Nintendo si tu pouvais faire les versions HD de tes jeux? Ça doit être bien, hein, il me dit, monsieur Ocro. Eh bah ouais, on va faire ça.
On va faire ça. J'ai une bonne nouvelle, on va rééditer tous nos jeux, tu vois, en HD 4K. Parce que maintenant, c'est de l'HD 4K, quoi. Ils font plus en dessous, ça marche plus bien, quoi. Et donc, le Mission 660 que tu as vu aujourd'hui, on va le rééditer en HD 4K. Et là, tu reviendras chez nous à Volnaval-Bas, dans les studios, faire le test de Mission 1220. Ça sera la suite de Mission 660, je te le promets. Tu veux que je laisse les gens avec le stream sur la fin, comme tu fais toi? Allez, tiens, ça, c'est le stream. Le stream de tout, et ça, c'est le stream des autres. Et moi, je t'en mets un que j'ai choisi, moi, c'est celui-là, c'est le mieux. Et t'as intérêt à cliquer dessus, parce que je viens chez toi avec la fourche, ça va chier.